je suis Marcello Vitali Rosati et nous sommes ici aujourd'hui le 13 janvier 2017 avec Benoît Mélenchon pour fêter le 3000e billet des blogs de l'Oreille Tendue. Bonjour Benoît. Bonjour Marcello. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ce que c'est que ce blog? Alors, à l'origine, l'Oreille Tendue, c'est un blog que j'ai sous-titré « Langue et culture ». Je voulais d'abord et avant tout parler de langue, surtout de la langue française parlée au Québec. Mais au fil du temps, le blog s'est orienté, toujours en conservant l'intérêt pour la langue, vers d'autres sujets, la culture en général, sport et culture, ce qui est un de mes sujets d'intérêt, mais aussi des notes de lecture, des notes de spectacle, toutes sortes d'autres choses, tout ça sous l'enseigne de l'Oreille Tendue. Et depuis quand existent ces blogs? Combien de temps il t'a fallu pour écrire 3000 billets? Alors, le blog est apparu le 14 juin 2009, ce qui pour moi est un peu bizarre, parce que je fais du numérique depuis très très longtemps. Donc, j'ai publié un livre sur le courrier électronique en 1996. J'ai fait des pages web en HTML dans un éditeur de texte dès le milieu des années 1990. Et pourtant, je n'avais pas réussi à trouver comment faire un blog. Et c'est en dirigeant un mémoire de maîtrise que j'ai trouvé ce que j'allais faire. Ce mémoire de maîtrise, c'est le mémoire d'Éric Vignola, qui n'est pas un mémoire sur le blog, qui est un mémoire sur la transformation de trois blogs en livres. Mais évidemment, en essayant de comprendre ce que c'est que ces livres tirés de blogs, il a fallu réfléchir à ce que c'était que le blog. Et j'ai tiré de là, moi, deux conclusions. Pour faire un blog, il faut avoir un sujet très fort, il faut avoir un centre d'intérêt très fort, donc ça va être pour moi langue et culture. Et ensuite, il faut de la régularité. Alors à l'origine, moi, quand j'ai lancé le blog en 2009, je faisais des billets à l'occasion. Et à la fin de 2009, au début de 2010, j'ai décidé, un peu par masochisme, de faire un billet tous les jours. Ce qui fait donc que depuis, je suis arrivé à en faire 3000. Personne n'est obligé de faire un blog en écrivant tous les jours. Moi, c'est une contrainte que je me suis donnée. Il y a même des périodes où je me suis donné la contrainte de faire 2 billets par jour. Ça, je me suis calmé depuis. Mais tu vois, l'idée, c'est ça. C'est de faire de l'écriture régulière sur un thème central. C'est ça, un blog. Si on n'est pas régulier, les gens ne viennent plus nous lire. Et si on n'a pas de thème central, les gens ne s'y intéressent pas non plus parce qu'ils ne savent pas de quoi on va parler. Et alors, pourquoi bloguer? Quel est l'intérêt que tu trouves dans cette forme? Alors, il y a un intérêt, je dirais, tout simplement autobiographique. Alors, j'ai été, moi, dans des postes administratifs à l'Université de Montréal pendant des années, ce qui fait que j'écrivais beaucoup de lettres de recommandation, de rapports, de procès-verbaux. Et je me suis dit qu'il fallait que je trouve une façon de m'obliger à écrire sur autre chose. Donc le blog, c'est très bien, parce qu'à cause de cette obligation de régularité, il fallait que je trouve quelque chose à dire régulièrement. Donc ça me permettait de garder un contact avec mes centres d'intérêt, avec la recherche. C'est ça un prof en études littéraires, ça écrit. Et donc moi, ça me donnait l'occasion d'écrire. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de le faire. Et aussi parce qu'il me semblait qu'il y avait des choses à dire, bien sûr, sur les questions de langue, notamment au Québec, des points de vue qui n'étaient pas suffisamment entendus. Alors, le blog te permet de faire ça de façon régulière et de façon brève. Parce qu'évidemment, avec les tâches administratives que j'avais, c'était plus difficile de me lancer dans des projets longs. Alors que là, je peux dire, aujourd'hui, j'aborde telle question en parfois quelques lignes, parfois quelques pages, mais je peux centrer mon attention comme ça. Donc, c'est tout simplement un plaisir égoïste, le plaisir d'écrire le plus régulièrement possible. Et donc, est-ce que ça change, d'une certaine manière, ton rapport à l'écriture? Complètement. Alors, parce que, tu sais, quand nous, dans notre travail, on sait à qui on parle. Il y a certains travaux qu'on fait, on peut nommer tous nos lecteurs. On fait des choses qui sont très, très pointues. On sait quels sont nos interlocuteurs, ce qui nous oblige, ce qui nous permet, en fait, d'avoir recours à un langage technique, hein, du jargon. Et on n'a pas besoin de définir tous les termes qu'on utilise, parce qu'on sait que notre interlocuteur, que l'on connaît, va savoir de quoi on parle. Et quand on fait un blog, on ne sait pas à qui on parle. Donc, il est évident que je ne peux pas avoir un langage technique, ou si j'ai un langage technique, je dois l'expliciter. Je dois dire pourquoi j'ai ce langage technique-là, ce que ça veut dire, pourquoi j'ai besoin de ce mot-là pour décrire tel type de phénomène. Donc, il y a là une première nécessité, c'est de changer son vocabulaire, son lexique, pour être le plus compréhensible possible. Il y a une autre chose, c'est qu'on change de communauté. Je ne sais pas à qui je parle quand je blogue. Je parle à un public parfaitement inconnu. Bien sûr, au fil des ans, après avoir fait 3000 textes, je finis par connaître un certain nombre de mes lecteurs parce qu'ils viennent intervenir sur le blog ou parce qu'ils m'en parlent. Mais j'ai là des gens qui viennent d'horizons très, très différents, qui n'ont pas la même formation que moi, qui n'ont pas nécessairement les mêmes intérêts que moi, et je dois les tenir en intérêt, je dois les maintenir en intérêt. Donc, ça aussi, ça oblige à des transformations de l'écriture.
Donc, je dirais à la fois sur le plan du lexique, tout simplement, sur le plan de l'interlocution, de la communauté, il y a des ajustements à faire. L'obligation de régularité, ça change aussi. Faire un texte très, très théorique, ça peut prendre beaucoup de temps. Faire une entrée de blog quotidienne, ça oblige à avoir un peu plus de réactivité. Donc, ça change aussi le rapport qu'on a aux objets culturels. On les théorise moins et on les décrit plus, probablement, et on jette plus d'hypothèses que des conclusions formelles. Alors, merci. Nous allons revenir sur ces questions de recherche qui me semblent fondamentales pour ta démarche et pour ton blog. Mais avant, je voudrais que tu nous expliques quelque chose qui est assez particulier et curieux de ton blog. C'est le fait que dans ton blog, tu n'es jamais « je ». Ce n'est pas Benoît Mélenchon qui écrit « l'oreille tendue », c'est l'oreille, « l'oreille tendue ». Et donc, tu parles toujours à la troisième personne. Est-ce que tu peux du singulier féminin. Du singulier féminin. Donc, ce qui fait aussi, ce qui affecte aussi tes autres présences sur le web, c'est-à-dire que même ton profil Twitter est l'oreille tendue. Et donc, tu commences à parler à la troisième personne du féminin. Alors, l'idée, c'est de dire, je veux faire un blog, je veux intervenir sur la place publique, sur des questions qui sont souvent des questions d'actualité. Il y a toutes sortes de façons de le faire. Le blog est souvent, effectivement, il y a même des gens qui le définissent comme ça, hein, une écriture au jeu. Le blog, c'est nécessairement au jeu. Marie-Ève Terranti définit le blog comme ça. C'est pas ma position. Moi, je pense qu'évidemment, dans le blog, il y a une subjectivité, mais cette subjectivité, elle est mise à l'écart, elle est mise à distance par l'utilisation de l'enseigne l'oreille tendue. Évidemment, c'est pas un pseudonyme. On voit sur le bouton « à propos », il y a ma photo, il y a mon nom, il y a mon site web, donc il est tout à fait facile de savoir que c'est moi qui parle au nom de l'oreille tendue, ou c'est l'oreille tendue qui parle en mon nom, comme on veut. Mais ça me permet justement de mettre un peu à distance la subjectivité. Ça me permet toujours d'être dans un décalage. En fait, quand tu me parlais d'écriture tout à l'heure, de modification de l'écriture, ça, c'en est une fondamentale. L'idée, c'est toujours d'être un pas de côté. C'est toujours de prendre les choses avec une certaine distance. L'utilisation de l'oreille tendue permet de faire ça. Alors, je l'avoue très clairement, dans les premières entrées du blog, il y avait un jeu. Je vais repasser derrière, je les ai tout enlevés. Alors, j'ai tout mis à l'oreille tendue. Ça donne une cohérence à l'affaire. Ça me crée un personnage. Et c'est amusant parce que les intervenants sur le blog, les gens qui viennent commenter, ont compris que c'est un personnage. Donc, ces personnes-là ne s'adressent pas à Benoît Mélenchon. Elles s'adressent à l'oreille tendue. Elles posent des questions à l'oreille tendue. J'ai reçu un courriel cet après-midi, comme ça, quelqu'un qui me disait « Je suis une fan de l'oreille tendue. » Pas une fan de Benoît Mélenchon. Donc, ça a marché. C'est-à-dire, les gens ont joué le jeu, jouent le jeu encore aujourd'hui. On en reparlera tout à l'heure. Le livre que j'ai tiré de mon blog s'appelle aussi « L'oreille tendue ». Tout ça, c'est la construction d'une certaine image un peu décalée de moi. Ça m'amuse. C'est aussi un défi d'écriture. Parce qu'évidemment, ça donne lieu parfois des phrases bizarres. Hein. Père de deux garçons, elle est professeure à l'Université de Montréal. Bon, ça fait partie du jeu. Et on voit bien comment je veux éviter l'esprit de sérieux par le recours à cette figure-là, ce personnage-là. Et alors, il y a quelque chose de très intéressant dans cette posture d'énonciation que tu prends, c'est qu'à la fois, il y a quelque chose de ludique, donc qui va plutôt vers la littérature, ou de toute manière, qui s'éloigne d'une posture, disons, objective et scientifique, mais à la fois, justement, cette position de prendre de la distance te ramène à une posture qui est celle du chercheur. Et alors, les chercheurs qui, justement, ne parlent pas au jeu, mais ils parlent plutôt au nom d'une vision objective. Et alors, ça me permet de te poser la question de s'agit-il d'un blog de recherche, en quelle mesure, pourquoi et comment cette activité change, modifie ou confirme ta vision de ce qu'est la recherche? Alors, quand j'ai lancé le blog en 2009, l'idée même d'un blog de recherche ne m'a jamais traversé l'esprit. J'ai jamais pensé. J'avais trouvé ce qu'il me fallait comme ancrage, et là-dessus, le titre a été déterminant. Une fois que j'ai compris ce qu'il fallait faire dans un blog et que j'ai trouvé l'oreille tendue, j'avais ce qu'il me fallait pour travailler. Donc, je ne me suis pas du tout posé cette question-là. Je n'ai jamais non plus caché que j'étais un chercheur. Mais cette question-là de la recherche et de l'autorité qui vient avec, je suis prof d'université, donc j'ai une certaine autorité comme chercheur, cette question-là, elle m'a été imposée à cause d'une entrée particulière du blog. Alors aujourd'hui, on est là pour la 3000e, mais ce qui est arrivé intéressant en matière de recherche et d'autorité, c'est arrivé au moment de la 1000e entrée du blog. Alors je me suis dit que j'allais faire quelque chose d'un peu spécial. Et je trouve qu'à l'époque, je lisais une série de romans écrits par des jeunes écrivains québécois. Il me semblait qu'il y avait toute une série de ressemblances entre ces gens-là, des ressemblances
langagières, des ressemblances éditoriales, des ressemblances générationnelles, et je me suis amusé à créer une école littéraire que j'ai appelée l'école La Chainsa. Ça, c'est le billet donc de mai 2012 qui marque la 1000e entrée du blog. J'avais l'impression, je me suis trompé, j'avais l'impression qu'il y avait là tous les signes de l'ironie nécessaire pour montrer que, bien sûr, il y avait des vraies ressemblances langagières, éditoriales, générationnelles entre les écrivains dont je parlais, mais que ce n'était pas une vraie école littéraire et que je me moquais du discours de l'histoire littéraire. Ah, ça n'a pas du tout été reçu comme ça. Ça a été reçu, ouais, si, par certaines personnes, l'ironie a été bien perçue, par d'autres, pas du tout. Et je me suis même interrogé, pourquoi est-ce qu'on lit un texte comme celui-là, qui à mes yeux était manifestement ironique? Comment est-ce qu'on peut le lire sans distance ironique? Et c'est là que je me suis aperçu que l'autorité que me conférait mon statut de chercheur avait joué. C'est-à-dire, bien que ce soit leur étendue qui parle, et bien qu'il y ait une dimension ironique, les gens se sont dit, mais c'est quand même un prof d'université qui a enseigné l'histoire de la littérature à l'université, qui fait de l'histoire littéraire sur son blog, donc ça doit en partie être vrai. Et donc là, j'ai vraiment fait une découverte. Je me suis aperçu que mon autorité jouait sur ce plan-là. Alors, pour rester sur la question de la recherche, mais là, d'une façon un peu différente, pas sur la question de l'autorité, mais sur la place du blog dans mon travail de recherche, alors, je l'ai dit, je ne suis pas du tout parti avec l'idée de faire un blog de recherche. Ce n'est pas hypothèse.org. Hein. On envoie nos étudiants là en disant « Vous commencez une thèse, ce serait bien d'avoir un blog. Mettez-là les fruits de votre recherche. » Je n'ai pas du tout pensé la faire comme ça. Mais je m'aperçois cependant que le blog est devenu vraiment un morceau capital de mon travail. Et là, il y a une chose très, très importante pour moi, c'est que je fais de moins en moins de frontières entre mon article de recherche X, le blog, les interventions radiophoniques que je peux faire. Je prends ça dans un flux, je prends ça dans un ensemble, et les choses circulent. Alors, il est arrivé très souvent que j'écrive un article, que j'ajoute des choses à l'article sur le blog. Donc, je pars d'un travail de recherche, j'ajoute des entrées de blog. Ça peut donner lieu à un autre article, ça peut donner lieu à une conférence, ça peut donner lieu à une intervention. Ça peut revenir ensuite sur le blog. Il y a des choses qui sont parties inversement du blog. Donc, j'ai écrit des choses sur le blog, puis un jour, je me suis dit, tiens, j'ai un certain nombre d'entrées, je vais les mettre ensemble, je vais en faire un article, une conférence, une intervention. Mais ça, c'est jamais clos. Je sais très bien que le blog me permet de revenir là-dessus. Donc, et moi, c'est ce qui m'intéresse. Le blog, tel que je le conçois, tel que je le pratique, insiste sur le fait que le travail de recherche, ce n'est pas un produit. Ce n'est pas de la recherche qui mène à une publication. Le travail de recherche, c'est un processus. On cherche des choses, on les met en place, on pose des hypothèses, on se trompe. Donc, on recommence, on fait ça autrement. Et donc, le blog est vraiment devenu pour moi le centre de mon travail intellectuel. Alors, ça va prendre des formes diverses, bien sûr, selon les publics auxquels je vais m'adresser. Donc, si je fais un article savant à partir des textes de mon blog, je vais les réécrire dans une perspective différente. Je vais leur mettre un cadre théorique qui ne sera pas le même, puisqu'il est très souvent absent du blog. Donc, je vais, encore une fois, ajuster mon type de réflexion au public auquel je m'adresse. Mais tout ça va toujours se retrouver d'une façon ou d'une autre, ou presque toujours, passer par le blog. Je vais me servir du blog pour jeter des idées, revenir sur ces idées, annoncer des choses, poser des questions. Alors, ça m'arrive de dire, je travaille sur telle affaire, est-ce que quelqu'un pourrait m'indiquer quoi lire, quelle avenue explorer. Donc, c'est vraiment devenu pour moi, alors, c'était pas du tout ça à l'origine, mais c'est vraiment devenu pour moi la base de mon travail. Je mets les choses là, hein, il y a cette expression qu'on voit souvent là sur Twitter, hein, je mets ça là, hein, je pose ça là. Ben, moi, je pose ça là sur mon blog, puis un jour, je me dis, tiens, voyons ce que je peux faire à partir de là. Et ça, encore une fois, c'est un changement aussi de rapport à l'écriture, parce que cette idée-là de déposer des morceaux de recherche non achevés, non finis, c'est pas ce qu'on fait habituellement. Nous, on a été dressés à faire des conférences, à sortir un article, prendre l'article, faire un chapitre de livre, faire le chapitre de livre, prendre le chapitre de livre et faire un livre. Là, on est dans une logique complètement différente, qui est beaucoup plus hasardeuse d'une certaine façon, mais beaucoup plus stimulante. Est-ce que, bah alors, tu es un 18e-iste, et je pense que ce n'est pas un hasard, est-ce que tu dirais que cette forme d'écriture se rapproche plus des revues telles qu'elles étaient justement au 18e siècle comme point des rencontres de communautés savantes que ce que sont aujourd'hui les revues savantes? C'est-à-dire que j'ai un peu l'impression que les revues savantes aujourd'hui sont juste un lieu de diffusion
d'un savoir, comme tu le disais, qui est déjà cristallisé, déjà fini, et qu'on ne va pas retoucher. Donc, on fait l'évaluation par les pairs avant, puis on publie, puis le texte est c'est le fini. Savoir, c'est fini. Tandis que dans les revues telles qu'elles avaient, telles qu'elles se sont développées au 18e, il y avait un peu l'idée de créer des échanges d'une communauté qui discutait, pour non pas pour donner la vérité scientifique, mais pour la chercher. Donc, les processus étaient plus importants. Est-ce que tu penses qu'on retrouve avec le blog quelque chose de ce type? Et comme ça, ma question finit. Et quel serait donc aujourd'hui le rôle des revues savantes par rapport au blog? Alors, première question. Moi, je pense que le modèle que j'ai en tête, c'est probablement moins le modèle de la revue savante au 18e siècle qu'un modèle qui serait celui de la correspondance. Alors, comme tu sais, j'ai travaillé là-dessus pour ma thèse de doctorat, je continue à travailler là-dessus. La lettre, ça m'intéresse. Donc, quand tu parles de discussion, ben, il y a tout un travail scientifique qui se faisait à l'âge classique par le moyen de la lettre. Alors, bien sûr, il y avait des publications, mais il y avait aussi tout simplement des échanges épistolaires où les gens s'envoyaient des données d'un bout de l'Europe à l'autre, discutaient, argumentaient, se servaient donc de la lettre pour faire avancer la réflexion, faire avancer la science. Alors là, on est dans un rapport qui est assez proche du blog. On est dans un rapport d'interlocution qui suppose des réponses, qui suppose une inscription dans la durée. C'est une correspondance, c'est ça. Hein? Quelqu'un écrit, attend que l'autre reçoive la lettre, l'autre prend son temps pour répondre, renvoie la lettre, etc. À l'époque classique, en tout cas, c'est comme ça. Et donc, il y a une interlocution là, d'une nature particulière. La lettre crée des communautés savantes. Et moi, c'est ça qui m'intéresse dans le blog. Alors, ce ne sont pas, comme je le disais, strictement des communautés savantes autour de mon blog, puisque les gens qui viennent là viennent d'un peu partout, mais ils se créent de la communauté. Alors, ça, pour moi, c'est la leçon que je tire du 18e siècle, si tu veux. La science, le savoir, ça se fait à plusieurs, et ça se fait dans le dialogue, ça se fait dans la conversation, ça se fait dans l'échange. La deuxième partie, quel est le rôle de la revue savante aujourd'hui? Ben, il me semble que la revue savante devrait permettre aussi d'être cet échange, ce lieu d'échange. Les sites web de revues sont des choses mortes aujourd'hui, dans à peu près tous les cas. Parce qu'effectivement, elles sont là uniquement pour diffuser. Pour savoir, viens de faire un numéro X, voici la table des matières. Si on est chanceux, le texte est en ligne, donc cliquez ici et vous irez lire le texte. Mais on va lire le texte et on n'intervient pas avec l'auteur ou avec des gens qui se pourraient intéresser, de quelque façon que ce soit. Les sites de revues, pour moi, sont des formes mortes, si elles restent dans cette logique-là. Pour qu'une revue savante aujourd'hui dépasse ce simple rôle de courroie de transmission, et ça c'est beaucoup de travail, il faut s'assurer qu'il y ait effectivement des discussions. Alors ça peut prendre toutes sortes de formes, ça peut prendre la forme pour certaines revues anciennes de la relance de textes plus vieux, en disant ben, on va ressortir tel texte pour telle commémoration, pour telle occasion, venez en discuter. Ça peut prendre la forme d'une évaluation par les pairs postérieure à la publication. Donc, il y en a une avant, le texte est publié, mais on peut continuer à discuter par la suite. Mais une revue qui ne fait pas ça aujourd'hui, selon moi, ne joue pas son rôle de lieu d'activité scientifique, de lieu d'activité intellectuelle. Mais j'en suis tout à fait conscient, faire ça, ça demande des investissements en temps considérables. Mais sinon, fermez votre site de revue et les gens vont trouver vos articles de toute façon par Google ou par Erudit ou par des moteurs de recherche. Le site ne sert pas à grand-chose aujourd'hui. J'imagine que tu es comme moi, on ne va pas sur des sites de revue. On trouve l'article qui nous intéresse par d'autres canaux. Et ça veut bien dire qu'il y en a un problème sur le plan de l'interlocution intellectuelle autour des revues. Et donc, évidemment, ça demande du temps et des expérimentations pour aller dans ce sens. Je trouve qu'en effet, c'est l'un des défis majeurs pour les revues aujourd'hui. Et dans ton expérience, dans ton blog, comment ces interactions et ces dialogues avec un public ou avec d'autres chercheurs se concrétisent-elles? C'est-à-dire, tu parlais de la lettre et des correspondances où il y avait des acteurs qui étaient sur le même plan. Donc j'écris, puis quelqu'un me répond et les deux... Tandis que dans les blogs, quand même, ta voix, ou la voix de l'oreille plutôt, évidemment, est la voix dominante. Puis il y a des interactions, par exemple, en commentaire, mais qui sont des commentaires et non pas sur le même plan que tes billets. Quel type d'interaction tu as su mettre en place ou tu as expérimenté ou te sont arrivés par hasard et comment tu les conseilles, quelle est leur richesse
richesses, qu'est-ce qu'elles peuvent apporter? Alors, évidemment, on ne peut pas prendre à ce moment-là le blog tout seul. C'est-à-dire, le blog fait partie d'un écosystème numérique, ce qui fait que moi, j'ai bien sûr des commentaires, pas très très nombreux d'ailleurs, sur mon blog. Il y a des gens qui viennent intervenir, poser des questions, commenter. Mais j'en ai aussi sur Twitter, où je suis très présent. Et donc, les gens vont utiliser Twitter pour poser des questions à leur étendue, parce qu'ils savent que je suis là. J'ai depuis quelques mois seulement, et uniquement à cette fin, un compte Facebook. Donc, l'oreille tendue, un compte Facebook. J'ai des gens qui viennent sur Facebook et qui me posent des questions. Donc, il n'y a pas comme ça un rapport d'interlocution qui serait « Venez sur mon blog et posez-moi des questions ». Les questions, elles vont m'arriver de toutes sortes de façons. Elles vont m'arriver aussi... Alors, et là, je suis à l'extérieur du blog, mais je dirais le personnage que j'ai créé permet ça. Je vais aussi avoir des questions qui viennent quand je fais des interventions publiques. Alors, je vais faire des conférences sur des sujets que j'ai couverts dans l'oreille tendue. Ben, alors, les gens vont me poser des questions, ça va me permettre, moi, de continuer à réfléchir. Je fais beaucoup de conférences, par exemple, sur la langue au Québec. Bon, c'est pas l'oreille tendue qui parle, c'est Benoît Melançon. Mais ce dont je parle, j'en ai parlé dans l'oreille tendue, et selon les questions qu'on me pose, je vais en reparler ensuite. Pareil pour ce qui concerne sport et culture. Donc, les conférences font ça. Dans les médias, il y a ça aussi. C'est-à-dire, je suis interrogé par des médias maintenant parce que les gens savent que tel sujet m'intéresse, parce qu'ils ont vu que j'en parlais dans l'oreille tendue. Et là, il m'est arrivé une expérience très, très amusante. Alors, je m'intéresse à sport et culture, je donne une entrevue dans un journal, je rentre à mon bureau, j'ai un message de quelqu'un que je ne connais pas. Je m'intéresse à ce moment-là à chansons et hockey au Québec, et cette personne a une collection phénoménale de disques hyper rare, mais c'est introuvable. Il a ça dans la cave de sa maison à Chicoutimi, Saguenay. Ben, cette personne-là est immensément précieuse pour moi, parce qu'elle me donne accès à des choses que je n'aurais jamais trouvées autrement. Ça, c'est le genre de choses que, comme chercheur, si on reste dans notre circuit habituel, on ne découvre pas. Les gens ne vont pas aller lire nos articles savants sur la chanson et le hockey pour dire « Ah ben tiens, moi j'ai un disque publié par les élèves de quatrième année d'une école de Laval en 1967 ». Mon correspondant, lui, il a ça. Donc, je crée comme ça de nouveaux réseaux. Et moi, ça m'est vraiment... Alors, surtout quand on travaille sur des trucs de culture populaire. Parce que la culture populaire, elle est très, très difficile à repérer. Je travaille sur Diderot, je travaille sur Voltaire, je vais à la bibliothèque. Je prends le catalogue et je trouve pas mal de choses. Quand je cherche une trace du pyjama Maurice Richard, c'est beaucoup plus difficile. Donc, j'ai besoin comme ça de gens qui sont collectionneurs, qui, eux, ne peuvent pas faire l'analyse, qui veulent pas faire l'analyse, c'est pas leur travail, c'est pas leur intérêt. Mais moi, j'ai besoin de savoir où sont les choses, j'ai besoin de les trouver, de les décrire, et après de les interpréter. Donc, ça m'a donné vraiment un réseau complètement nouveau, à la fois la pratique du blog, mais la pratique médiatique plus large autour aussi. Ça nous amène à la question du ou des publics. C'est-à-dire, bon, une revue savante s'adresse à des savants, donc à des chercheurs principalement. Puis il y a toujours quelqu'un qui se perd dans une bibliothèque, mais c'est rare. Un blog s'adresse potentiellement à tout le monde, mais on sait aussi que tout le monde n'est jamais tout le monde. Donc est-ce que tu as une idée de ton lectorat, de ton public? Est-ce que tu finis par assumer une figure d'intellectuel public avec ton blog? Pourquoi est-ce que tu arrives à identifier tes publics et est-ce que ça change, est-ce que les réactions de ton public changent aussi ton discours et ta façon d'écrire pour adapter ton discours à des possibles lecteurs différents? Alors, c'est très difficile de savoir exactement qui lit le blog. J'ai, comme un peu tout le monde qui a un blog, un logiciel statistique qui me donne des chiffres, donc je vois combien de personnes viennent. Je vois d'où elles viennent, ces personnes. Mais je m'aperçois parfois qu'il y a des relais qui sont pour moi parfaitement imprévus. Alors, l'article qui a été le plus populaire de mon blog ne l'a pas été le jour où je l'ai publié. C'est un article que j'ai fait, je pense, à la fin de 2011, dans ces eaux-là, qui portait sur le mot « swag ». Alors, j'ai des enfants, mon fils aîné rentre à la maison, il dit « Papa, il faut que je t'explique ce que c'est que le swag ». Ce qui sous-entendait, évidemment, il avait raison que moi, j'en en avais pas, mais que lui, si, il en avait. Donc, il m'explique ce que c'est que le swag, je fais un article, il est lu comme ça, comme les autres. Et subitement, le même jour, j'ai 6000 visites. Alors, je me dis « Mais pourquoi est-ce que j'ai 6000 visites ?» Premier étonnement. Deuxième étonnement, je me dis « Je vais aller voir d'où viennent les gens. » Ben, ils viennent de France et de Belgique. Tous le même jour. Alors, j'ai jamais réussi à trouver exactement la source, mais il est probable que quelqu'un
à la télé française, un samedi soir, a utilisé le mot « swag », que tout le monde s'est regardé sur le plateau en disant « qu'est-ce que c'est que ça ?» Et les gens, comme on fait maintenant tous, hein, ils ont pris leur tablette, ils ont pris leur téléphone, ils ont tapé « swag », et dans Google, c'est mon article qui sortait le premier. C'est à peu près le seul qui sortait en français. Donc, je vois qu'il y a un public qui va venir sur mon blog, dont je ne sais strictement rien, qui est tout simplement amené par des moteurs de recherche. Il y a un autre public, et je pense à un autre exemple, il y a un autre public qui vient assez massivement, et là on voit qu'on a encore besoin de relais qui ne sont pas des relais numériques, qui vient par les journalistes. Quand un journaliste parle d'un blog, ben, subitement, ce blog-là devient populaire. Donc, je ne peux pas savoir qui va lire ce que j'écris très précisément. Ce sont des francophones, surtout au Canada, en France, en Belgique, disons ça comme ça. Mais je ne peux pas aller au-delà parce que je ne sais pas comment ils arrivent. S'ils arrivent par Google, je ne sais pas qui c'est. S'ils arrivent par un journaliste, je peux voir parce que c'est un journaliste québécois, mais il se trouve qu'un collègue belge parle assez souvent de l'oreille tendue dans le soir à Bruxelles. Eh ben, j'ai des visites qui me viennent par cet intermédiaire-là. Donc c'est assez difficile. Cela dit, j'ai utilisé l'expression que tu viens d'utiliser, l'étiquette d'intellectuel public me convient parfaitement. Je considère que ça fait partie du rôle des universitaires que d'intervenir dans les débats de la cité. Et donc moi, je le fais par le blog, on peut le faire autrement, on peut le faire par des lettres ouvertes aux journaux, on peut le faire par des interventions dans les médias. Moi, je le fais surtout par le blog. Je vois bien que mon public, il est d'abord et avant tout québécois, canadien. En même temps, je vois bien qu'à certains moments, je vais toucher des cordes sensibles chez des gens auxquels je ne me serais jamais adressé autrement. Auxquels je n'aurais pas pensé à m'adresser, mais la circulation de l'information fait que les gens vont se retrouver là. Et il y a bien sûr aussi, au-delà de l'effet moteur de recherche et de l'effet journal, périodique, média, il y a tout simplement un effet d'accumulation. Parce qu'évidemment, après avoir écrit, publié 3000 billets, dans les moteurs de recherche, l'oreille tendue est partout. Et dès qu'il y a langue, culture, Québec... Je me suis demandé un article cette semaine par quelqu'un dont je n'avais jamais entendu parler, qui voulait une description du français québécois. Alors je lui ai dit, mais comment vous avez eu mon nom? J'ai fait des recherches sur le français québécois, et c'est votre nom qui est sorti. Donc il y a des effets comme ça là, de massification. Hein, on parle beaucoup de big data et des choses semblables. J'en suis pas là. Mais manifestement, il y a des effets d'accumulation qui entraînent la présence de nouveaux lecteurs. Ce qui m'amuse, c'est quand je découvre des lecteurs auxquels je n'avais pas du tout pensé. Donc je sais que un certain nombre de personnes que je suis sur Twitter et qui me suivent vont aller lire l'oreille tendue. Facile. Je sais qu'un certain nombre de mes collègues s'intéressent à l'oreille tendue. Et là, subitement, je reçois un courriel d'un collègue en France ou en Belgique qui me dit je vous lis tous les jours. Un collègue dont je n'ai jamais entendu parler de ma vie. Alors je me dis, tiens, c'est toujours la même question. Comment vous êtes arrivé là? C'est par l'effet d'accumulation des médias, les moteurs de recherche. Donc, et ça m'amuse toujours de découvrir. Alors, c'est souvent des collègues, parce que c'est avec ces gens-là que j'aurai des interventions, des interactions plus souvent. Hein, eux, ils vont m'écrire des courriels, ou je vais leur écrire des courriels, on va se croiser, des choses semblables. Mais il y a des gens de toutes sortes de milieux qui sont là. Moi, j'ai découvert des gens par le blog, dont je suis ravi de les avoir découverts. Des gens qui écrivent, qui ont leur propre blog. Donc ça crée, parce que la communauté, c'est aussi ça. C'est une communauté de blogueurs. C'est-à-dire on s'interblogue les uns les autres, on se lit les uns les autres, on se commente. Et ça, c'est très intéressant, parce que c'est des gens qui ont fait le choix, justement, d'une prise de parole publique. Alors, ce que moi, je fais dans mon blog, eux le font dans leur. Il est assez évident, à partir de ce moment-là, qu'on risque d'avoir des atomes crochus. Et donc, outre l'utilité de pouvoir élargir son réseau de recherche et sa communauté, il y a aussi le fait qu'on peut assumer un peu la responsabilité du chercheur face à la communauté à la communauté civile, à la communauté à l'extérieur de l'université, ce qui est très important et qui n'est pas fait évidemment avec les revues savantes. Donc c'est une parole que tu peux porter dans le grand public. Dans cette réflexion-là, quel devient les rôles des médias plus traditionnels, donc par exemple des journaux, donc tu disais en effet qu'ils ont une fonction de relais. Est-ce que tu peux en dire plus? Quel est les rapports entre l'oreille tendue et les médias plus traditionnels? Alors, je ne sais pas exactement ce qui arrive en premier, mais on a pu constater au cours des dernières années au Québec, je ne peux pas bien dater l'affaire, un investissement massif vers la chronique. Les grands
voix qu'on reconnaît dans les médias québécois sont des gens qui ne sont pas des journalistes de terrain, pas des journalistes d'enquête, ils peuvent en faire à l'occasion, mais c'est des gens qui ont une chronique régulière. Et là, je dirais, il y a cette régularité dont on parlait tout à l'heure, qui est incarnée par la chronique journalistique. Et là, il y a un effet de renforcement, c'est-à-dire le journal se tourne de plus en plus vers des chroniqueurs pour attirer ses lecteurs. Ces chroniqueurs-là écrivent de façon régulière, ils interviennent sur des questions d'actualité. Plusieurs blogs font pareil. Donc l'un et l'autre se renforcent manifestement. Il y a même des endroits où j'ai l'impression on est en train d'assister à une transformation des interactions sous la pression des médias. Et là, je pense très précisément au cas de Twitter. Alors, Twitter, moi, je vois disparaître de mon fil Twitter des masses de gens qui étaient très, très actifs sur Twitter pendant très, très longtemps, mais je ne vois jamais disparaître les journalistes. Donc, les journalistes, eux, ont besoin de ça, justement, pour alimenter cette réflexion. Ils sont très friands de ça. Alors, moi, j'ai des contacts régulièrement avec des journalistes parce qu'ils ont lu quelque chose sur leur étendue et ils l'ont vu passer par Twitter. Donc, c'est une façon de s'alimenter les uns et les autres. Mais encore une fois, je ne sais pas très bien, c'est probablement la chronique qui arrive d'abord et le blog ensuite, mais il y a un effet de renforcement d'une forme par l'autre très, très net. Nos informations brutes, on les prend de moins en moins dans des journaux. On va les prendre par la radio, on va les prendre par des brèves nouvelles dans Internet, sur des sites d'information très, très divers. Ce qu'on cherche de plus en plus dans les journaux, c'est les commentaires, c'est les chroniques. Alors le blog, évidemment, là, dans cette logique-là, est parfaitement compatible avec la transformation qui est en cours dans le monde journalistique. Bien. Et une dernière question pour ce volet des réflexions de la place du blog dans la communauté aussi universitaire. En tant que professeur d'université, est-ce que tu recommanderais à des étudiants d'avoir leur propre blog? Comment? Pourquoi? Ça, c'est une question cruelle. Parce que je le recommande. Alors, j'ai, pendant des années, donné un séminaire à tous les nouveaux doctorants de notre département, et je leur dis, tous les ans, vous devez avoir un blog. Il faut que vous ayez un blog. J'ai des succès très, très mitigés. C'est pour ça que ça m'attriste un peu. Si jamais je renonce à ce séminaire, je vais continuer à le redire. Pour moi, c'est essentiel, parce que ça suppose un certain nombre de choses. Ça suppose, je le disais tout à l'heure, que le travail intellectuel, c'est un processus et pas un produit. Le blog, c'est fait pour ça. Vous en mettez des morceaux, si vous voulez. Vous mettez des morceaux pas finis, puis si vous les aimez pas, vous les enlèverez un jour, vous les réécrirez. Faire comprendre ça des étudiants, c'est très, très difficile, qui peuvent effacer des choses. Il y a une certaine timidité, parce qu'on leur apprend en même temps une idée du texte comme quelque chose, justement, qui doit être parfait, et donc très sérieux, et peut-être c'est ça aussi qui les fait auto-censurer. Ils veulent pas y aller, parce qu'il y a cette crainte, donc, de livrer quelque chose de pas fini, d'informe. Il y a cette autre crainte qui, moi, me paraît pas du tout fondée, mais qui me ressort régulièrement, et c'est la peur de se faire piquer une idée. Hein, si je mets ça sur mon blog, quelqu'un va me piquer l'idée. Alors, moi, je me suis fait piquer des idées dans des articles, dans des livres, donc je me suis fait piquer des idées par papier. Je m'en ferai piquer par le web, c'est pas grave, ça me paraît pas fondé comme critique. En plus, on peut retourner l'argument en disant « Oui, mais si quelqu'un vous pompe une idée de votre blog, ben, votre blog est là pour attester que l'idée vient de chez vous. » Donc, il y a une preuve, là. C'est pas quelque chose qui flotte en l'air, là. Je l'ai écrit et vous me l'avez piqué par la suite, ben, vous pouvez faire la démonstration. Il y a aussi une autre raison pour laquelle je pense que le blog, pour les doctorants, pour ceux qui m'intéressent en ce moment, pourquoi le blog est important pour eux, c'est l'écriture régulière. Alors, le principal problème, c'est pour ça, là. Nous, on a un taux d'attrition très, très fort au doctorat, les gens finissent pas, ben, ils finissent parfois, ils finissent pas parce que ça les intéresse plus, ils finissent pas parce qu'ils ont des problèmes d'argent. Très souvent, ils finissent pas parce qu'ils écrivent pas. Ou ils reportent. Alors, la phrase, c'est « il me reste une lecture à faire ». En somme, ça me met hors de moi quand mes étudiants me disent « il me reste une lecture à faire, je vais mettre à écrire ». Non, 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 vous écrivez tout de suite. Et donc, l'idée, c'est encore une fois du processus. Alors, c'est une pompe, hein, l'écriture. Il faut la lancer, il faut l'entretenir. Le blog est parfait pour ça. Moi, je dis même parfois à mes étudiants, si vous voulez pas faire un blog public, vous pouvez très bien faire un blog privé. Inventez-vous un blog. Obligez-vous à aller écrire régulièrement. Vous serez peut-être, pour un certain temps, votre seul lecteur, peu importe, mais vous serez toujours en train d'écrire. Alors, l'idée, c'est de dire, je donne une version à un moment de ce que je pense, puis l'année prochaine, j'en aurai une autre, puis l'année suivante, j'en aurai une autre, et quand ma thèse sera finie, j'aurai quelque chose qui aura mûri parce que je l'aurai écrit, réécrit, repensé, discuté, etc.
Donc oui, moi j'y crois, il faudrait le faire. Les plateformes, en plus, pour le faire, sont maintenant très très faciles aujourd'hui. On peut très bien créer son propre blog, mais on peut très bien s'adjoindre à l'entreprise que mène Hypothèse.org. Hypothèse.org, c'est plus de 1600 blogs de recherche. Donc c'est pas non plus c'est pas une aberration. Là. S'ils sont 1600 à faire ça sur Hypothèse, c'est qu'il doit y avoir un bénéfice. Mais je pense que c'est notre mission aussi de prof que de dire, ben, ça existe, je le fais, voici comment je le fais. Vous auriez intérêt à vous y mettre vous aussi. Il y a des difficultés particulières, j'en dis qu'on vient pas, mais en même temps, il y a un bénéfice très très net. Mais ça, il faut être plusieurs à prêcher pour cette paroisse-là, et je suis pas sûr que je sois beaucoup entouré. Oui, et brièvement, on pourrait aussi ajouter le problème plus institutionnel de la reconnaissance du travail qu'on fait en écrivant des blogs de recherche qui, pour l'instant, au moins que je sache, ne sont pratiquement pas reconnus. Ça, c'est en train de se transformer, mais très, très lentement. Alors, c'est en train de se transformer, pourquoi? Pas par les blogs. Les blogs, si, en partie. La pression, elle vient d'un autre endroit, et c'est Wikipédia. Alors ça, il y a des cas, on a des preuves, il y a des profs aux États-Unis qui ont réussi à obtenir des confirmations de contrat ou des promotions par leur contribution à Wikipédia. Ils ont dû faire la démonstration de ce qu'ils avaient fait, mais là, c'était vraiment... On est dans un paradoxe. Hein. Il y a des écoles, par exemple des écoles de médecine aux États-Unis, qui disent à leurs étudiants, ben, c'est un devoir, vous êtes obligés d'aller faire des articles dans Wikipédia. Donc les élèves sont obligés de faire ça, mais les profs qui leur disent de faire ça ne seraient pas reconnus quand ils le font eux-mêmes. On est dans un truc qui est un peu aberrant. Donc, c'est en train de changer. Ça va prendre un temps fou avant que ça change, parce que c'est un modèle, celui dans lequel on est, qui a 300 ans d'existence, l'évaluation par les pairs, la reconnaissance, l'évaluation des dossiers, tout ça, les expertises. Mais je dirais qu'à ce moment-là, c'est un empêchement pour certains chercheurs, peut-être, mais pour d'autres, pas du tout. Moi, où j'en suis dans ma carrière, je peux très bien décider de ne faire que du blog. Je suis là, j'ai eu les promotions que je pouvais avoir, j'occupe un poste qui me permet de faire ça. Il y a aussi un effet de modèle, là. C'est-à-dire qu'il faut dire, ben, regardez, hein, je le fais. Ça m'aide à faire mon travail. C'est du travail de recherche, c'est du travail intellectuel, c'est du travail scientifique, ce que je fais sur mon blog. Si moi je le fais, vous pouvez aussi le faire. La reconnaissance, elle viendra plus tardivement, mais elle est en train d'apparaître. Ça commence à se faire, c'est encore des cas exceptionnels, mais si ça commence à se faire, ça ne va pas arrêter. Alors parlons maintenant du fait que, en fait, d'un effet collatéral peut-être du blog L'Oreille Tendue et du fait que qui montre qu'il n'y a pas une rupture entre des formes plus traditionnelles comme le papier et ces formes-là. Alors en octobre 2016, un livre papier sort chez l'éditeur Del Busso qui s'appelle L'Oreille Tendue, et voilà, qui est un effet collatéral, je dirais, du blog. Est-ce que tu peux en dire quelque chose? Alors, je sais que j'ai des lecteurs. Mon moteur de statistiques me dit que j'ai des lecteurs. Je sais que j'ai des lecteurs très, très, très fidèles. Parce qu'il y en a qui m'en parlent et ils m'en parlent souvent. En même temps, je me rends bien compte que de publier à tous les jours fait que les gens qui vont venir me lire tous les jours sont quand même pas en nombre infini. Donc, il y a une volonté en faisant le livre de dire aux gens, ben, si vous venez simplement à l'occasion sur le blog, ben, voilà quelque chose que vous pourrez lire qui vous donnera un aperçu général du blog. Alors, évidemment, ça a été un peu compliqué à faire parce qu'au moment où j'ai arrêté le choix, j'avais 2797 textes. Alors, j'aurais pu attendre 3000, ça aurait été plus joli, mais bon, je voulais le faire à ce moment-là. Et donc là, je me suis dit, comment je vais choisir les textes, hein? Qu'est-ce que je vais donner à lire justement à ces lecteurs qui ne viennent pas tous les jours? Alors, j'ai fait plusieurs opérations. J'ai retenu les textes les plus populaires. Mon moteur de statistiques me dit tel texte est consulté très, très souvent. Donc, j'ai choisi tous ceux qui avaient été beaucoup lus, en me disant, ben, s'ils sont beaucoup lus, il doit y avoir un intérêt de la part des lecteurs. J'ai choisi certains regroupements thématiques aussi, en me disant, ben, tiens, j'ai beaucoup de choses sur telle affaire, les jurons québécois. Alors, j'ai décidé de faire une section qui s'appelle Sacron, qui est sur les jurons. J'ai essayé de trouver aussi des textes de longueur différente, question de varier un peu les plaisirs de lecture. Alors, je le disais tout à l'heure, parfois mes entrées font quelques mots, parfois elles font quelques pages. Et donc j'ai choisi là toute une série de textes que j'ai regroupés en trois sections de brèves. Et ça, c'est des textes qui font deux ou trois lignes. À côté de ça, il y a des textes beaucoup plus longs. Par exemple,
des comptes rendus de lecture. Très sciemment, j'ai décidé de ne pas conserver mes comptes rendus les plus négatifs, quand même pas les faire passer à la postérité, ni faire passer les comptes rendus, ni les œuvres dont je disais du mal à la postérité. Mais il me semblait que ça me permettait, en conservant quelques-uns, de montrer comment je travaille. De montrer comment la forme canonique du compte rendu, celle qu'on pratique justement dans les revues savantes ou dans les magazines, peut être modifiée. J'ai des comptes rendus sous forme de petites annonces, j'ai des comptes rendus sous forme de dialogue, j'ai des comptes rendus sous forme de pastiche du livre que je commente, j'ai des comptes rendus sous forme de listes. Donc ça, c'était aussi une façon de dire, bon, on peut parler de livre de façon plus inhabituelle. Le livre sert à ça. Le livre a aussi un intérêt, alors, tout bête, dont je ne m'étais pas avisé en le faisant, mais qui m'est venu ensuite, et c'est tout simplement la possibilité qu'on peut lire un livre et dire « j'ai fini ». Il y a un effet de clôture qui consiste à dire ben, « je voulais savoir ce que c'était l'oreille tendue, je viens d'en lire 411 pages, je sais ce que c'est que l'oreille tendue, j'y retournerai ou je n'y retournerai pas », alors que le blog, évidemment, c'est une chose infinie. Quelqu'un qui voudrait commencer aujourd'hui à lire mon blog, alors, le prendrait en plus à l'envers, le prendrait par la fin, mais quelqu'un voudrait remonter jusqu'au début. Ce serait d'une complexité absolument folle. Et en plus, ça changerait entre-temps, parce que tu continuerais à écrire des billets. Il y a des textes qui s'ajoutent. Alors, en plus, mon texte, ce sera encore bien plus compliqué, parce que très souvent, je fais moi, des compléments à des textes que j'ai déjà faits. Donc, quand je trouve de meilleurs exemples, quand je trouve de contre-exemples, ou quand je m'aperçois que je me suis trompé. Ça m'est arrivé cette semaine, j'ai fait une entrée pour dire que je m'étais trompé. J'avais mal interprété telle affaire. Et donc là, il faudrait que quelqu'un puisse savoir que je suis revenu ajouter un complément au texte que cette personne vient de lire. Ça serait impossible. Donc, c'est une façon, ça me sert de carte de visite, d'une certaine façon, que de faire un livre comme ça. Ça donne aussi une visibilité plus grande au blog. Ça marche dans les deux sens. C'est aussi une façon de rendre le blog visible, de rendre mon travail visible et de dire aux gens, ben, venez, il y a autre chose. Si ça vous intéresse, je continue à en faire. En théorie, je n'écris plus tous les jours, mais dans les faits, j'écris pratiquement tous les jours. Donc, ça sert à ça aussi. C'est une très bizarre d'entreprise. Hein. Je fais le contraire de ce que très souvent on fait. Hein. Maintenant, on est dans un univers de la numérisation. On prend des choses numérisées et on les met sur le web. Moi, je prends des choses qui sont en numérique et je les mets dans du papier. Mais compliquons encore un peu les choses. L'oreille tendue existe en version numérique. Le livre. Donc, on peut lire sur sa tablette, à son ordi, en EPUB ou en PDF, l'oreille tendue. Donc, du numérique qui devient du papier, qui redevient du numérique, mais qui n'est plus du tout le numérique qu'il y avait à l'origine. Ça, moi, ça m'amuse aussi. Il y avait ça aussi dans ma volonté de faire un blog. Le numérique m'intéresse. Quelles sont ses possibilités? Qu'est-ce qu'on peut faire avec le numérique? Bien, là, on voit se transformer devant nous ce que c'est qu'un livre, ce que c'est que l'écriture. Là, mon livre numérique, il est semblable, il est identique au livre papier, mais je pourrais très bien décider d'y mettre des liens. Donc, de refaire un genre de blog à partir de quelque chose qui n'en était plus un. Alors, les possibilités sont très, très variées comme ça. Moi, ça m'amuse de me poser des questions sur ce que c'est que l'adresse au public. Comment on parle, sous quelle forme, pour obtenir quel type de réaction. Ben, le blog et sa version en papier me permettent de faire ça. Donc, ce ne sont pas deux formes en compétition l'une avec l'autre. Ah non, je suis convaincu que le blog va bien sûr aider le papier, mais que le papier va aussi entraîner des lecteurs vers le blog. Donc, tout ça fait partie d'une circulation de textes. On n'est pas habitué à penser les textes comme ça. Les textes, ils sont généralement clos. Ils nous arrivent sur des pages qui sont reliées et ce texte-là ne va plus bouger. Ben, là, on a devant nous des textes qui bougent, qui vont continuer à bouger. Généralement, j'essaie de dire quand j'ai fait bouger les textes du blog, mais des fois, je fais des petites corrections sans les indiquer. Donc, on est devant quelque chose qui n'a plus la fixité que les textes avaient auparavant. Ça, c'est un vrai défi, c'est une vraie question intellectuelle, c'est une vraie question scientifique. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, moi, je pense qu'il faut se mettre les mains sous le capot, il faut aller faire des choses. Je ne dis pas que tout le monde doit bloguer, je ne dis pas que tout le monde doit tirer un livre papier de son blog. Je dis que moi, faisant ça, ça me permet de réfléchir. Si le blog me permet de réfléchir, c'est déjà pas mal.
Alors, parlons du futur, du futur de l'oreille tendue et aussi du futur de ce type de forme. Le blog est une forme qui existe depuis une vingtaine d'années. Est-ce que tu penses que la forme va évoluer? Est-ce que cette fraîcheur que le blog a donnée va finir par finir? Et donc, il faudra trouver d'autres formes. Et en quoi tes démarches et tes projets pour le futur essayent de répondre à cette question? Alors, j'ai parlé de la lettre tout à l'heure. À partir du milieu du 20e siècle, et beaucoup plus depuis l'apparition du courrier électronique, on s'est mis à dire la lettre, papier, c'est fini. Le courrier électronique va remplacer l'épistolarité classique. On a bien vu que ce n'est pas vrai. Il reste encore des lettres. Elles sont utilisées dans des circonstances très, très particulières. Je vais pas mal travailler là-dessus. Ça sert encore à quelque chose, la lettre, mais il y a des missions de la lettre qui sont passées complètement en numérique. Donc, la lettre n'est pas disparue parce que le courrier est arrivé. On annonce de la même façon, périodiquement, la mort du blog. C'est fini. Ça existe depuis des années. Il n'y a plus personne qui blogue. Clément Laberge, qui a joué un rôle très important dans la diffusion du livre numérique au Québec, écrivait la semaine dernière sur son blog, qui s'appelle Rémolino, que lui souhaitait une renaissance, une relance du blog. Parce qu'il dit, le blog, c'est évidemment, encore une fois, l'obligation d'une écriture régulière, c'est très bien d'écrire régulièrement, mais le blog a aussi une permanence que n'a pas, par exemple, Facebook. Un statut Facebook, ça disparaît. Comment on fait pour retrouver ça? Alors, c'est caché dans les limbes numériques, alors que quand on fait une entrée de blog, si elle est là, quelqu'un peut la retrouver un jour, venir commenter, l'utiliser, etc. Donc, il y a une permanence qui reste avec le blog. Alors, moi, je ne pense pas que le blog est menacé de disparition. Il y a plein de blogs qui sont menacés de disparition parce que les gens ont lancé des blogs et n'ont pas voulu s'y consacrer suffisamment. Ces blogs-là vont disparaître. Mais les blogs dans lesquels les gens investissent, ils restent, ils se renouvellent, ils changent de forme, mais ils sont là, je ne vois pas disparaître ça bientôt. Alors, pour l'oreille tendue, qu'est-ce que je vois comme futur? Il y a une chose que j'aimerais faire, que j'ai très peu faite jusqu'à maintenant, on est en train de la faire aujourd'hui, et c'est d'utiliser beaucoup plus les ressources audio et les ressources vidéo. C'est une chose que j'ai très, très peu fait, sinon par lien. Donc, je mets des liens vers des vidéos ou vers des fichiers audio. À l'occasion, je pense que j'ai fait 2 ou 3 fois, j'ai mis des interventions audio sur le blog. Mais là, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui serait possible de faire. Et bien, mon modèle, il est tout simple. C'est cette magnifique invention. La personne qui a inventé ça est un bienfaiteur de l'humanité, qui est le podcast, qui est la balado-diffusion. Ça, pour moi, c'est une des grandes découvertes numériques des dernières années. Mon téléphone est bourré de balado-diffusion, je cuisine en écoutant ça, je promène mon chien en écoutant des balados. Il y a vraiment là un rapport au savoir tout à fait nouveau. Là, on n'est pas dans l'interlocution, évidemment, mais on est dans la parole, on est dans l'adresse. Ça suppose évidemment un type de rapport particulier à la parole, ça suppose un langage particulier. Ça nous ramène aux questions d'initiales. Qu'est-ce que ça change de ma façon d'écrire? Ben, si j'avais un podcast sur une balado, il faudrait que je me pose ces questions-là. Comment je m'adresse à mon public? Jusqu'où je peux aller dans le langage technique? Quelle longueur? Quel ton prendre? Je ne pourrais sûrement pas faire un blog où l'oreille tendue parlerait. Parce que là, ça deviendrait très, très bizarre si moi, avec ma voix grave, je me mettais à parler à la troisième personne du féminin au singulier. Là, ça serait un peu bizarre. Donc, il y aurait des choix différents à faire, mais ça fait partie, c'est à l'horizon de ma réflexion. Je me dis, tiens, il y a peut-être quelque chose là à faire, parce que non seulement le blog, il doit se faire régulièrement, mais le blog doit aussi, à l'occasion, se réinventer. Ça, ce serait une façon pour l'oreille tendue de se réinventer. Bon, pour terminer, Benoît, une question qui me tracasse depuis le début de cet entretien. Qu'est-ce que le swag? Alors, à une époque, il fallait être cool. Cool, c'était bien. Mais dès que les parents ont compris ce que c'était qu'être cool, ce n'était plus cool. Donc, le swag, c'est une attitude qui caractérise les jeunes personnes adolescentes. Voilà. 12-15 ans à peu près, disons ça comme ça, là, qui permettent à ces personnes-là de se distinguer de leurs parents et de leurs proches. Alors, on peut être swag, ça peut être un adjectif, on peut avoir du swag,
Bien sûr, tout ça vient de l'anglais. Mais c'est vraiment une façon de se distinguer des autres. Comme à une époque, il fallait être hip, il fallait être cool, il fallait être beat. Et là, ça ne marche plus, puisqu'il y a un article sur mon blog. Tous les gens savent ce que c'est que le swag, donc plus personne ne veut être swag. Mais à une époque, c'était ça. Voilà comment je vais me distinguer. Et il était très, très net, quand mon fils aîné m'en a parlé, que c'était une qualité que lui possédait. Il avait 14 ans à l'époque, quelque chose comme ça. Et que moi, je ne posséderais jamais. Merci beaucoup, Benoît, et vive donc l'oreille tendue, et qu'elle soit swag pour les prochains 3000 billets. Merci à toi, Mathieu.